Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine du lundi, il est 11h30 et vous êtes sur Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Je suis Romain Bonnet et je suis accompagné de Thomas Bizot. Salut Thomas, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Mais très bien Romain, je vais très très bien. Et bonjour à tous, nous sommes ensemble en direct pour 1h30 jusqu'à 13h. Et pendant cette heure et demie ensemble, comme d'habitude, vous retrouverez tous vos rendez-vous habituels du lundi. Kevin Noblet pour la revue de presse internationale tout à l'heure, et l'Aiguillon qui nous présentera sa chronique musicale. Et enfin, nous serons avec Rosanna Bruzon pour la touche italienne du magazine avec sa chronique optimiste. Dans la deuxième partie, nous serons accompagnés, comme le disait Romain, de nos chroniqueurs et naturellement, vous entendrez vos entrevues du lundi. On entendra Alex Levasseur qui préside le syndicat ICI Radio-Canada et nous reviendrons avec lui sur les compressions budgétaires prévues à Radio-Canada et bien sûr sur le livre blanc. Ensuite, nous irons en entrevue avec Annick Saint-Denis, porte-parole de la campagne La Rue pour tous. Et enfin, de 11h30 à midi, c'est le grand entretien du lundi. Cette semaine, nous serons avec Rubin Friedman qui est directeur de l'exploitation de la Fondation canadienne des relations raciales. Nous parlerons avec lui d'une étude qui est sortie récemment sur les relations intergroupes au Canada. Mais juste avant, on écoute ton invitation de Louise Attaque. J'accepte par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons, entrecoupé de silence, qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. C'ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes en onde avec Rubin Friedman, qui est directeur de l'exploitation de la Fondation canadienne des relations raciales. Et cette fondation a sorti un sondage sur la religion, le racisme et les relations intergroupes au Canada. Et donc, bonjour Rubin Friedman et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, quelle nécessité de chercher à savoir quels groupes sont les plus touchés par le racisme et les plus mis à l'index aujourd'hui au Canada? D'accord. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié dans la population générale quels sont les groupes à propos de qui la population a le plus grand souci en ce qui concerne la montée de racisme ou de discrimination. Et on a identifié les groupes qui, selon nos recherches, étaient le plus visés par les crimes haineux.
Monsieur Friedman, le racisme n'est-il pas quelque chose qui devrait être analysé et combattu globalement et plutôt pas découpé entre les communautés? Il faut faire les deux. Et ce qui ressort dans notre recherche, c'est que les communautés eux-mêmes sont divisées entre eux en ce qui concerne leur préoccupation avec le racisme et la discrimination contre eux-mêmes. Ce que ça veut dire, c'est que, en général, les groupes sont plus concernés, évidemment, avec la montée de discrimination contre leur groupe, mais il y a quelques groupes qui sont concernés par la montée du racisme en général. Il y a aussi le fait que les anglophones sont moins préoccupés par la montée du racisme que les autres groupes au Canada. Selon votre étude, il y a 54% des Québécois qui pensent que la diversité religieuse est un désavantage, plutôt un désavantage. Pourquoi, selon vous? Pour moi, ce qui ressort encore une fois du sondage, c'est cela pourrait avoir des liens avec plusieurs facteurs. Par exemple, dans notre échantillon de francophones, on a trouvé beaucoup de francophones qui habitent au Québec dans des milieux où il y a très peu de diversité religieuse, où il n'y a pas de grande diversité dans la population, c'est-à-dire en dehors de la ville de Montréal, dans des villes qui ne sont pas très grandes, où il y a très peu de minorités. Alors, il y a ce facteur de contact avec la diversité qui peut jouer un rôle. Puis, il y a le fait que les francophones au Québec se trouvent dans une position minoritaire par rapport au Canada en général. Alors, ils se sentent peut-être un peu plus menacés par la diversité parce que ils sont eux-mêmes minoritaires. Alors, la majorité des interrogés dans votre étude signale que leurs amis appartiennent en général au même groupe ethnique qu'eux. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est finalement assez normal dans un groupe ou dans une société qui est organisée en communauté? Et d'autre part, est-ce que ça veut dire qu'on est nécessairement raciste ou plus porté vers le racisme si on a plus d'amis du même groupe ethnique que soi? Non, je suis d'accord avec toi. C'est normal, mais dans un sens, c'est justement ça qu'il faut combattre. Je reviens à ce que vous avez dit auparavant. Il faut que toute la société soit consciente de la discrimination, pas seulement les groupes affectés. Mais dans la réalité, ce qui arrive, c'est que les groupes affectés sont beaucoup plus conscients du racisme qui est dirigé vers eux que les autres membres de la société. Alors comment faire que tout le monde en soit conscient? Il y a un discours qui a été donné par Karim Abdul-Jabbar aux États-Unis sur le racisme contre les Noirs aux États-Unis. Et lui aussi a dit la même chose. Il y a beaucoup de Blancs qui ne ressentent pas le racisme parce que ce ne sont pas eux qui sont visés. Alors, ils n'ont pas l'expérience quotidienne qui leur indique qu'il y a du racisme aux États-Unis. Mais est-ce que ça fait sens d'étudier le racisme en divers groupes et d'étudier groupe par groupe les attitudes racistes ou les attitudes d'exclusion envers ces groupes pour lutter globalement contre le racisme? Pourquoi on ne le fait pas sur toute la société? Ça nous donne une idée du travail qui reste à faire. Est-ce qu'il faut être conscient? Est-ce qu'il faut, dans nos messages, est-ce qu'il faut être conscient de comment formuler nos messages? Il est très difficile de parler du racisme et des discriminations avec les gens parce que la réaction préliminaire, c'est-à-dire moi, je suis pas raciste. Puis en effet, il se peut et est fort possible que la personne qui parle a des amis qui viennent d'une minorité ou connaissent des gens qui viennent de la minorité. Et
lui, il n'est pas conscient de l'effet systémique du racisme à travers la société. Alors, en parlant à ces gens, il faut pouvoir donner des exemples précis qui évidemment, touchent des minorités précises. Selon vous, existe-t-il aussi une forme de racisme ou de volonté d'exclusion envers les francophones au Canada? Une volonté d'exclusion parmi les francophones ou dirigée vers les francophones? Dirigée vers les francophones. Je n'ai pas compris la question. Selon vous, est-ce que les francophones parfois sont mis à l'index du reste de la société, sont exclus au même titre que d'autres communautés, comme vous parliez? Ah oui, et comme j'ai indiqué auparavant, il y a le fait que les francophones sont dans un sens concentrés au Québec. Évidemment qu'il y a des francophones dans les autres provinces, mais souvent ces francophones sont obligés de parler assez bien l'autre langue officielle. Alors ils sont moins perçus comme francophones, même quand ils le sont. Au Québec, évidemment, les francophones sont obligés de communiquer avec leurs voisins dans la langue de la communauté, qui est français. On se trouve dans une situation difficile au Canada. Comment bâtir des ponts entre les groupes, entre les francophones et les anglophones, entre les francophones et les autres groupes au Québec et au Canada? Ça, c'est un gros défi pour tout le monde. Alors, pourquoi, selon vous, la majorité des francophones, 56%, et dans les groupes étudiés dans votre étude, c'est le groupe le plus important, se dit inquiet du sentiment de la montée du sentiment d'anti-immigrant? Quand on dit qu'on est préoccupé, il y a deux raisons pour la préoccupation. Il se peut qu'ils perçoivent une montée de ce sentiment parmi d'autres qui se trouvent dans leur voisinage, dans leur communauté, ou c'est peut-être parce que ils ont eux-mêmes une genre d'attitude négative. On ne peut pas le décerner de la réponse. Pour les francophones, je pense que j'ai dit auparavant, ils se sentent un peu plus insécurisés par la diversité au Canada parce que c'est un défi pour eux de garder leur propre identité, de garder leur langue. Ils font face à des défis partout au Canada. Alors, dans un sens, ils se sentent un peu plus siégés. Dans votre étude, vous mettez sur le même plan les francophones, les juifs, les anglophones, les musulmans, par exemple. Est-ce que ça fait du sens de comparer des appartenances religieuses et des langues? En ce qui concerne l'identité, parfois oui. Parce que ça dépend de la façon principale, que les gens se basent, sur lesquels les gens se basent pour s'identifier. Le sens d'appartenance à une langue ou à une religion, il y a évidemment des comparaisons qu'on peut faire. Mais l'identité, c'est quelque chose qui est... on n'a pas qu'une seule identité. On peut être juif, oui, se sentir avec son identité israélite et par ailleurs, avoir aussi l'identité francophone. Plus tard, on est en train de faire de l'analyse en ce qui concerne la question de l'identité au Canada. Les statistiques qu'on va faire ressortir à ce moment-là va nous peut-être donner plus d'informations sur la question que vous avez posée. Vous ne parlez pas des catholiques dans votre étude. Pourquoi? Pas dans cette étude-ci, mais on a posé la question sur... on a d'autres statistiques qu'on n'a pas tout à fait analysées. On n'est pas prêt à les donner, mais on a
évaluer l'attitude envers les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans et d'autres religions. Justement, dans cette étude, les groupes étudiés sont les francophones, les anglophones, les allophones, les juifs, les musulmans et les autochtones. Pourquoi uniquement ces groupes-là? Comment vous avez sélectionné ces groupes? Quelle méthodologie pour faire l'étude? Ça dépendait des résultats de nos études antérieures en ce qui concerne les groupes à propos desquels il y avait le plus gros nombre de questions. Évidemment que les francophones et les anglophones au Canada, ce sont les deux langues officielles. Alors, on analyse la population canadienne souvent en utilisant ces deux critères. Les allophones, tous ceux dont la langue maternelle n'était ni l'anglais ni le français. On a croisé ce genre de facteurs avec d'autres facteurs d'identité où les groupes sont souvent visés de ce temps-ci ou se sentent visés souvent par de la discrimination. Les allophones, c'est pas un groupe ethnique. Ils n'ont pas un intérêt commun. Ce sont des gens qui sont ni francophones ni anglophones, mais ils n'ont pas un intérêt commun. Comment on peut les étudier comme un seul groupe dans une étude? Parce que la majorité sont immigrants. La question qu'on a posée sur le sentiment anti-immigrant. Alors, ils sont un groupe de ce point de vue-là. À la lumière de vos différentes études, quels sont les groupes les plus touchés par le racisme? Les gens envers lesquels on semble avoir le plus grand souci, ce sont les musulmans. Je pense que ça, c'est la statistique qui nous frappe assez évident dans les statistiques. Quand on regarde le total, cela sont les relations entre les musulmans et non-musulmans qui sont les plus préoccupantes pour les Canadiens en général. Pour quelles raisons? Pardon? Pour quelles raisons, selon vous? C'est un nouveau groupe, relativement, dans l'histoire du Canada. Il y a un grand nombre qui sont arrivés relativement récemment. On n'a pas une si grande connaissance de personnes de ce groupe. Par exemple, pour les francophones, c'est cette relation qui est la plus préoccupante. Mais la deuxième question qui est préoccupante, c'est la relation entre immigrants et non-immigrants pour les francophones. En effet, c'est la même question qui touche les anglophones en termes de position relative. La première préoccupation, c'est la relation entre musulmans et non-musulmans, et deuxièmement, la relation entre immigrants et non-immigrants. Alors, il y a quelque chose au Canada, en général, un peu plus pour les francophones que pour les anglophones, mais pour tout le monde en général, où il y a certaines relations qui sont plus présentes dans leur conscience, disons. Et d'une étude pareille, quelle conclusion vous en avez tirée? On en est où du racisme aujourd'hui et de l'intégration aujourd'hui au Canada? Est-ce que la situation se dégrade ou s'améliore? La situation ne se dégrade pas, mais elle ne s'améliore pas non plus. Merci beaucoup. Rubin Friedman, de nous avoir accordé cette entrevue. Je rappelle que
vous êtes directeur de l'exploitation de la Fondation canadienne des relations raciales et que vous venez de réaliser une étude sur la religion, le racisme et les relations intergroupes au Canada qui fait ressortir des différences d'attitude parmi les anglophones, les francophones et les autres groupes canadiens. Merci. Oh, de rien, bonjour. Et restez avec nous puisque dans la deuxième partie, on se retrouve notamment avec la revue de presse internationale de Kevin Noblet. On entendra aussi Annick Saint-Denis, porte-parole de la campagne de La Rue pour tous. Et on se quitte avec Flic Flac de Hop. À tout de suite après la pub. Misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty.
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. Misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone a way of life to be free and beautiful. Millions of despairing men, women and little children. Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 9 et 10 mai, visitez le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec présenté par Desjardins au Palais des Congrès. Découvrez les services offerts en matière d'emploi, de vie en région, d'entrepreneuriat et autres services adaptés à vos besoins. Plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai au Palais des Congrès de Montréal. Entrée gratuite. www.salonimmigration.com. Bonjour. Aujourd'hui encore, trop de membres de notre communauté sont touchés par le VIH-Sida. Savez-vous qu'une personne sur trois ne sait pas qu'elle est atteinte? À une époque où les traitements sont très efficaces et où il est possible de vivre en santé pendant longtemps, savoir si l'on est atteint est essentiel. Le dépistage est offert dans plus de 140 centres et organismes communautaires au Québec. C'est gratuit, confidentiel et cela ne prend que quelques instants. Rendez-vous sur sefairedépister.ca pour trouver le centre le plus proche de chez vous. Ici Michaël Jean. En novembre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a débuté l'implantation progressive du dépistage néonatal de l'anémie falciforme au Québec. À l'heure actuelle, les résultats des porteurs ne sont pas automatiquement communiqués. C'est à vous, les parents, d'en faire la demande. Je vous invite donc à faire les démarches nécessaires pour savoir si vous êtes affecté ou encore si vos enfants le sont. Répondez à cet appel du cœur et à cet appel du sang pour être sûr à 100%. Pour plus d'informations, consultez anémie-falciforme.org. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent. Il est midi pile et vous êtes toujours sur Radio Centre-Ville au 102.3 FM. On est toujours dans notre magazine du lundi et nous sommes ensemble encore pour une heure et jusqu'à 13h. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale de Kevin Noblet. Bonjour Kevin, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi Romain ? Très bien, merci. Alors au sommaire de cette revue de presse, on va parler de pollution, de Barack Obama et aussi des pyramides d'Égypte.
Mais pour commencer, tu reviens sur la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée samedi dernier, l'occasion de faire le point. Oui, une journée que les médias mettent à profit pour parler de la situation des journalistes à travers le monde, une situation difficile et dangereuse dans encore bon nombre de pays. Alors vu d'ici, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais l'accès à l'information est un acquis précieux et la liberté des journalistes est encore trop souvent bafouée. Et la radio France Info a publié sur son site un état des lieux. Un état des lieux qui se résume à travers des chiffres clés. Tout d'abord, 4 milliards, c'est le nombre d'individus n'ayant pas accès à une information libre, soit un être humain sur 7, le pire bilan depuis 1996, rappelle Reporters sans frontières. En cause, la liberté de la presse recule dans 15 des 24 pays les plus peuplés du monde, comme la Chine, l'Inde ou encore la Russie. On trouve en toute fin du classement le trio Turkménistan, Corée du Nord, Érythrée. L'occasion également de rappeler que 168 journalistes seraient emprisonnés dans le monde et une trentaine retenus en otage, dont certains depuis plusieurs années. Enfin, en 2013, 71 ont perdu la vie et 77 ont été contraints à quitter leur pays où ils n'étaient plus en sécurité. Et pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez retrouver les témoignages sur le site de France Info. Alors, on change de sujet pour parler de la pollution et plus précisément de celle des fonds marins. Une étude parue la semaine dernière tire la sonnette d'alarme. Oui, 15 institutions scientifiques se sont réunies pour démontrer à quel point la pollution sous-marine était plus importante qu'on ne le pensait. Il y en a pour tous les goûts, du sac plastique aux vêtements, en passant par le carton et les filets de pêche. Bref, les fonds marins ne sont pas épargnés par l'activité humaine, dont l'impact se fait ressentir jusqu'à 4,5 km de profondeur. L'Atlantique, l'Arctique et la mer Méditerranée ont été scrutés via des engins sous-marin et le résultat est plus qu'inquiétant. L'étude publiée par la revue PLOS ONE et reprise par les médias du monde entier avance le chiffre de 6,4 millions de tonnes de déchets rejetés chaque année dans les mers et océans. Et comme on peut l'imaginer, cette pollution intensive a un effet dévastateur. Maladies et morts sont les principales conséquences sur les espèces sous-marines. Les plastiques, en raison de leur longue durée de vie, représentent à eux seuls 41% des déchets et lorsqu'ils n'étranglent pas, c'est leur toxicité chimique qui attaque les organismes sous-marins. Cette étude, en plus de révéler l'ampleur du désastre, prouve surtout que la mer ne digère pas nos déchets. Et un peu plus réjouissant maintenant, puisqu'on va parler de Barack Obama qui s'est donné en spectacle. C'était samedi soir à Washington où le président américain a amusé la galerie. Et oui, comme tous les ans, s'est tenu le traditionnel dîner des correspondants auquel participent tous les journalistes couvrant la Maison Blanche. Un dîner durant lequel le président américain a l'occasion de montrer son sens de l'humour, domaine dans lequel Barack Obama excelle et 2014 n'a pas dérogé à la règle. Le président s'est donc livré à un pur exercice de communication pour le plus grand plaisir des convives. La presse parlait hier du one-man show d'Obama et pour l'occasion, le New York Times l'a même rebaptisé le comédien en chef. Il faut dire que pour séduire son auditoire, le président n'a pas hésité à se tourner en dérision en faisant référence à son projet phare d'assurance maladie, l'Obamacare, qui a connu de nombreux problèmes informatiques lors de son lancement ces derniers mois. Il a déclaré que si son slogan de 2008 avait été « Yes, we can », en 2013, c'était plutôt « Contrôle Alt Sup ». Mais il n'a pas non plus épargné les médias. Obama a interpellé les journalistes de la chaîne Fox en déclarant « Voyons les choses en face, je vais vous manquer. Quand je ne serai plus là, vous allez avoir beaucoup plus de mal à convaincre les Américains qu'Hillary Clinton est née au Kenya. » Bref, il a enchaîné les blagues et a même parodié la série Game of Thrones en se mettant en scène dans une série photo. Et pour finir, on part en Égypte où une partie du mystère des pyramides pourrait être enfin résolue. C'est en tout cas une nouvelle piste sur l'une des plus grandes énigmes de tous les temps. Comment une civilisation aussi ancienne que celle des pharaons a-t-elle pu bâtir les pyramides de Gizeh ? Trois constructions colossales faites de pierres massives pesant chacune des tonnes et le tout réalisé plus de 2 millénaires avant notre ère. Bref, la question agite le monde scientifique depuis toujours et de nombreuses théories ont été avancées, les plus folles par le même des extraterrestres. Eh bien, ça va peut-être vous décevoir, mais la réponse pourrait être nettement plus terre à terre. C'est le Washington Post, vendredi dernier, qui a repris la conclusion de chercheurs de l'Université d'Amsterdam. Selon eux, la solution pourrait en effet être très simple. Si on pense savoir depuis longtemps que les Égyptiens utilisaient des rampes en bois afin de hisser les pierres, on ne savait pas vraiment comment ces dernières étaient arrivées jusque-là, en plein milieu du désert. Réponse, ils mouillaient le sable afin de déplacer blocs et statues, tout simplement. Les chercheurs ont prouvé qu'en humidifiant légèrement une zone sableuse, les grains de sable se collent ensemble, permettant ainsi à un objet extrêmement lourd de glisser sans rencontrer de résistance. Mais la véritable surprise vient du fait qu'une telle
méthode réduit de moitié la force nécessaire pour tracter cet objet. Et pour corroborer leur étude, les chercheurs s'appuient sur une peinture murale retrouvée dans une tombe, peinture représentant une statue tractée sur une structure en bois devant laquelle un homme verse de l'eau. Jusque-là, les chercheurs avaient toujours associé cette fresque à un rite religieux. Il n'en était rien. Mais au moins, on le saura. Et voilà. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Et tout de suite, on vous propose une petite pause musicale avec Barbara et Göttingen. Bien, bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine. Et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, là. De même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Vous le savez, Radio-Canada est sous le coup d'une compression budgétaire de 130 millions de dollars, ce qui va mettre en danger 650 postes. Alors nous avons rencontré Axel Levasseur qui préside le syndicat de Ici Radio-Canada et on va revenir avec lui, on est revenu avec lui, sur ces compressions budgétaires et sur un livre blanc qui a été écrit justement par le syndicat de Radio-Canada pour ouvrir des propositions pour l'avenir de Radio-Canada. On vous propose de l'écouter. Cette semaine, oui, mardi matin, le livre blanc a été lancé pour répondre aux 130 millions de dollars de compression et aux 650 mises à pied qui sont prévues à Radio-Canada. Alors, vous avez envoyé une copie à tous les députés. Qu'est-ce que vous espérez des députés? Bah, écoutez, nous, il est clair que notre vœu, c'est de provoquer un débat public. Et cette réflexion-là, elle n'est pas seulement issue de la compression qu'on vient tout juste de connaître dans les derniers jours, c'est-à-dire ces 130 millions de dollars qui va coûter environ 657 emplois. C'est un long processus qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant de compression incessante. Et pas plus tard que ce matin, dans les médias, on voit aussi que le président de Radio-Canada nous annonce que c'est pas terminé, ça va se continuer d'année après année et qu'on va devoir réduire le diffuseur public. Donc, on en est rendu, je pense, à souhaiter qu'il y ait un processus de réflexion et que les Canadiens et les Canadiennes s'approprient ce débat-là pour bien montrer aux politiciens ce que
ce que l'on souhaite, ce que l'on attend, si on en veut toujours un diffuseur public, et si oui, mais dans quelles conditions on le veut et avec quels moyens on veut aussi qu'il puisse fonctionner. Alors, c'est ça qu'on met sur la place publique. On en a informé les députés et les sénateurs de tous les partis confondus en leur disant, voici ce qui s'en vient, soyez attentifs à ça parce que il y a des gens qui vont probablement vous interpeller dans vos circonscriptions respectives. Alors, mais c'est notre volonté principale, c'est de commencer cette discussion-là entre nous, entre les Canadiens et les Canadiennes qui sont les vrais propriétaires de Radio-Canada. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Quelles sont les grandes lignes de ce document de travail? Comme vous le dites, c'est un document de travail qui se veut un peu dans la foulée des documents qu'on appelle parlementaires. C'est-à-dire, en parlementarisme, quand on veut introduire quelque chose de nouveau, on commence généralement par un livre blanc qui lance une consultation sur un sujet en particulier. Ce livre blanc-là, donc, génère des discussions, des commentaires, et dans une phase ultérieure, devient ce qu'on appelle un livre vert, c'est-à-dire un énoncé de politique après ça. Donc, c'est un peu dans cette philosophie qu'on s'est placé en se disant, commençons ce débat. Le livre blanc ne propose en lui-même aucune piste de solution concrète. C'est pas ce rôle-là, à ce moment-ci, la discussion. Mais il fait une analyse, d'abord, dans un premier temps, de l'environnement dans lequel Radio-Canada CBC évolue historiquement depuis sa création et dans le contexte médiatique, dans le paysage médiatique qu'on connaît actuellement. Donc, on le positionne dans ça avec les problèmes inhérents depuis plusieurs années. Et en même temps, j'ai voulu également, parce que je suis un peu l'auteur de ce document-là, j'ai voulu que les gens réalisent que dans différents pays, il y a des diffuseurs publics aussi et que chaque pays a une façon un peu particulière de gérer son diffuseur public et avec des modalités qui sont différentes d'un pays à l'autre. Il donne donc 5 exemples, notamment donc la France, mais avec la BBC également, avec les télévisions publiques allemandes et aussi avec d'autres plans pays comme les États-Unis, bien sûr, puis la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a un éventail d'options qui sont faites, qui sont réalisées par ces pays-là. Donc, c'est pour s'ouvrir un peu l'esprit et se dire, le modèle canadien de diffuseur public, il n'est pas le seul au monde. Il en existe d'autres. En voici quelques exemples. Il y en aurait d'autres également. Et donc, commençons cette discussion par le biais de 13 questions qui sont placées à la fin du livre et du document et qui vont servir d'amorce là, à cette grande discussion, cette grande réflexion. Justement, même s'il n'y a pas encore de proposition précise, on voit pointer quelques lignes de réflexion. Par exemple, comme vous le disiez, vous parlez de la France ou de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, qui ont une contribution directe. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être réalisable dans les mêmes proportions que dans ces pays ici? Pas nécessairement dans les mêmes proportions, pas nécessairement de la même façon, parce que le contexte nord-américain n'est pas le contexte européen. Mais il y a là une piste de réflexion dans la mesure où la contribution qui est directement faite par les téléspectateurs, les auditeurs, elle n'émarge pas des dépenses générales d'un gouvernement. Donc, ça enlève, ça donne une distance, si on veut. On dit en anglais « arm's length », une distance de bras entre le pouvoir politique et son diffuseur public, parce que le diffuseur public, c'est pas une télévision d'État. Ce n'est pas le haut-parleur du Parlement ou du gouvernement. C'est un organisme qui ne définit pas les mêmes paramètres. Et donc, cette redevance-là, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut aller chercher autant? La question est posée. Est-ce qu'on doit continuer à se fier avec autant d'acuité aux revenus publicitaires? Est-ce que notre place sur le marché publicitaire est celle-là? On voit, par exemple, qu'en Allemagne, la publicité à la télévision est limitée à 5 minutes à l'heure et concentrée à la fin de la période de transmission d'une émission. Alors, il n'y a pas d'interruption constante. On est rendu, nous, au Canada, enfin, à Radio-Canada, souvent, avec des 16, des 17 ou des 18 minutes à l'heure de publicité, avec des interruptions tellement fréquentes que les gens se découragent de la télévision puis préfèrent parfois essayer d'avoir accès à une émission d'une autre façon, soit en rattrapage, soit par l'achat des séries sur DVD, par exemple. Alors, il y a toute cette réflexion-là qu'il faut faire et qui est, et en s'ouvrant et en se donnant un aperçu de ce qui se fait ailleurs. Et le financement est qu'un des éléments qu'on aborde. Vous avez probablement réalisé qu'on s'intéresse énormément également à la question de la gouvernance. C'est-à-dire comment est dirigé le diffuseur public? Qui nomme ses dirigeants?
et qui sont ces dirigeants-là, qui détermine le mandat, qui valide après ça le mandat, qui s'assure qu'en cours de route, le diffuseur public a bel et bien rempli les promesses qu'il avait faites ou qu'il s'était engagé à rendre, à réaliser. Donc, il y a ce débat également sur la gouvernance d'un diffuseur public. Et finalement, le troisième volet qui est important aussi, c'est quelle est la programmation distinctive que doit démontrer un diffuseur public. Est-ce qu'on doit diffuser, donc, autrement dit, le même genre d'émission, les mêmes types de programmation que vont nous proposer des diffuseurs privés? Alors ça aussi, c'est un autre volet intéressant de ce qui caractérise un diffuseur public. Alors, une autre des lignes de travail de ce livre blanc, c'est de sonder l'opinion. Comment vous allez vous y prendre pour avoir une photo réaliste et complète de ce que veut les gens? Ben, là, évidemment, c'est un travail un peu important qu'on va commencer. Avec ce document-là, on va susciter dans des groupes, on va aller accompagner des groupes, on va suggérer des sites également. Nos réseaux sociaux vont être mis à profit pour que des gens, soit sur une base individuelle, puissent répondre à une ou à quelques-unes ou à toutes les questions. On va également, avec l'organisation syndicale dont on dispose, essayer de se retrouver au cœur des groupes communautaires, des groupes socioculturels, des groupements de tous ordres, professionnels également, pour les amener à avoir cette réflexion-là, à colliger et nous envoyer à nous les réponses, de sorte que nous, dans un peu plus tard, on aurait un vaste éventail des opinions et on essaierait de colliger tout ça pour en faire une présentation aux instances réglementaires et politiques ultérieures. Mais donc, c'est un travail d'animation, je dirais, très important qu'on va devoir faire dans les prochains mois. Pourquoi vouloir sonder la population? Est-ce qu'un média public, finalement, il ne doit pas s'inscrire dans une autre logique que celle de l'audience? Est-ce qu'on a besoin de sonder l'opinion? Est-ce qu'on a besoin d'être vraiment en phase avec l'opinion majoritaire quand on est un média public? Là, vous parlez des codes d'écoute, je présume, c'est ce que je comprends de votre question. Je parle des codes d'écoute, en effet, je parle des codes d'écoute parce que... Les codes d'écoute ne sont pas un élément unique de l'évaluation qu'on peut faire d'une programmation. Je parle des codes d'écoute. Que pour les diffuseurs privés, c'est probablement la mesure la plus utilisée. Pour un diffuseur public, ça peut être un parmi les indicateurs de ce qu'on peut utiliser pour voir quelle est la pénétration et quelle est l'utilité. Mais la recherche d'un diffuseur public, ce n'est pas nécessairement la grande écoute et ce n'est pas nécessairement l'audimat qui va faire en sorte que nos émissions devront exister ou non. Mais nous, comme organisation, dans le cadre de ce livre blanc-là, on tient à ce que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises, et j'étais à Moncton cette semaine, que les Acadiens, les Acadiennes s'accaparent de cette réflexion-là et fassent part de leur idée aux diffuseurs publics de dire très fortement et très publiquement qu'ils tiennent à ce diffuseur public-là et ce qu'il faudrait en faire dans un avenir très rapproché, parce que sinon, c'est la fin du diffuseur public. Là. Si on n'agit pas immédiatement, le diffuseur public va disparaître. Les propos d'Hubert Lacroix cette semaine sont assez éloquents à cet effet-là. Et chercher à sonder l'opinion, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que ce risque, c'est pas finalement après de s'aligner à ce que cherchent les gens en termes de programmation, tout simplement, et sans aller plus loin? Comme je vous dis, on ne sonde pas les gens seulement sur l'aspect de la programmation. On ne veut pas juste savoir ce que les gens veulent comme émission. On veut savoir s'ils tiennent dans la première question, comme je le dis souvent, c'est celle qui tue. La première question la plus importante, c'est est-ce qu'on a encore besoin d'un diffuseur public? Et je pense que cette réponse-là est la réponse qui conditionne toutes les autres après. Alors, si on a besoin d'un diffuseur public, ben, qu'est-ce que les Canadiens et les Canadiennes souhaitent comme diffuseur public? Alors, c'est ce débat-là qui doit appartenir. Et on le fait publiquement parce que le diffuseur public, il appartient au public, il appartient aux Canadiens, il n'appartient pas à Hubert Lacroix, il n'appartient pas à Stephen Harper, il appartient à ceux qui le paient, qui le défraient. Et c'est pour ça qu'il faut que ce débat-là se fasse et que les gens nous disent ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et je pense qu'après avoir souvent entendu devant le Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications des groupes s'exprimer, parce que les gens ont souvent un grand besoin de ce diffuseur public-là et qu'ils ont des opinions assez arrêtées sur le type de programmation que je qualifierais facilement de distinctive, donc qui n'est pas une reproduction des diffuseurs privés, quels qu'ils soient, ni en radio, ni en télé, ni sur Internet. Cette semaine, oui, mardi matin, le livre blanc a été lancé pour répondre
C'était Alex Levasseur, président du syndicat CIBC, ici à Radio-Canada, et on s'en va tout de suite en musique avec Jacques Brel, Les Bourgeois. J'ai la grosse Adrienne de mon talent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on est allé boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova, et moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Jojo dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas, et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire, Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, que je deviens vieux, je deviens bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, que je deviens vieux, que je deviens. Montréal est la ville la plus engorgée, au Québec, c'est du moins ce que pensent ses citoyens. Et des associations citoyennes militent pour démotoriser le centre-ville de Montréal. C'est notamment le cas de la campagne La Rue pour tous qui se déroule cette année et qui en est à sa 6e édition. Annick Saint-Denis, porte-parole de la campagne La Rue pour tous, nous en dit davantage. Oui, tout à fait. Alors bonjour Annick Saint-Denis, je rappelle que vous êtes directrice du transport actif chez Vélo Québec et cette année c'est la 6e édition de la campagne de sensibilisation La Rue pour tous. Alors cette 6e édition, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est surtout le nombre d'écoles qui vont y participer. Donc, c'est une campagne qui, d'année en année, prend de l'ampleur. Et cette année, on va être présent avec la campagne dans 175 écoles dans différentes régions du Québec. Donc, c'est une campagne qui est de plus en plus populaire et qui répond bien aux besoins là, de sensibilisation des familles, des écoliers. Alors, vous le disiez, il y a de nombreuses écoles qui se joignent à votre campagne. En sensibilisant tôt les jeunes, vous pensez qu'on va diminuer vraiment les comportements routiers et piétonniers à risque? Ben en fait, ce ne sont pas les jeunes que nous sensibilisons. On le fait en même temps, mais en fait, les jeunes sont les vecteurs du message. Donc, cette campagne est organisée avec matériel promotionnel qui est remis aux parents par les enfants. Donc, ce sont les enfants qui passent le message aux parents et demandent aux parents de prendre un engagement à être courtois sur la route et respecter le code de la sécurité routière. Donc, on sait que les parents sont bien sensibles à ce que leurs enfants leur demandent. Donc, il y a toujours ce petit côté de culpabilité qui passe très bien par les enfants. Donc, en utilisant les enfants pour porter le message, en fait, c'est comme ça qu'on vient rejoindre les adultes qui, eux, sont à même de faire des choix là, propices pour être de bons utilisateurs de la route qui partagent avec courtoisie et respect envers les autres.
S'adresser directement aux adultes, ce serait finalement peut-être moins efficace? Ben, ce serait peut-être moins efficace, mais c'est surtout quand les adultes sont partout, les enfants sont dans les écoles, et donc c'est une façon aussi efficace de rejoindre un grand nombre de gens par une seule campagne. Alors, il y a autre chose, c'est aussi la création de la vignette « La rue pour tous ». Oui, cette vignette donc existe depuis le début de la campagne. Cette vignette-là donc est remise quand les parents signent la vignette. Au dos de la vignette, donc il y a un engagement et ensuite l'adulte retire la partie de l'engagement et se retrouve donc avec une vignette électrostatique qu'il peut à ce moment-là apposer sur la fenêtre de sa voiture ou la fenêtre de sa maison. Donc le message devient aussi un message mobile qui se promène un peu partout. Alors, au-delà de la sensibilisation des adultes par le biais des enfants, vous avez aussi affaire aux institutions décisionnelles. J'allais dire, est-ce que vos arguments, est-ce que vos initiatives sont écoutées? Est-ce que vous avez l'écoute du gouvernement et de la ville, par exemple? Écoutez, c'est certain que, bon, à différents niveaux, c'est différentes choses qui se passent. Les interventions qu'on fait dans le cadre de la campagne La rue pour tous, c'est une campagne qui s'inscrit dans un programme qui, lui, se déploie, qui s'appelle à pied à vélo ville active, qui se déploie au niveau municipal. Donc là, c'est certain qu'on travaille directement avec les élus et des arrondissements et des autres municipalités du Québec. Et oui, on a quand même une écoute fort intéressante. On produit un plan de déplacement qui demande de mettre en place aussi les mesures d'apaisement de la circulation qui vont aussi favoriser la marche et le vélo au-delà là, du respect des autres usagers. Si l'aménagement est fait pour favoriser les déplacements actifs, on a plus de chances de s'y adonner. À d'autres niveaux, quand on parle de la ville-centre ou encore du gouvernement du Québec, bon là, c'est plus dans le cadre des campagnes plus générales de Vélo Québec où on participe à passer des messages et avec d'autres partenaires, on va aller de l'avant et par exemple, présentement, on essaie d'influencer la refonte du code de la sécurité routière pour faire plus de place au vélo, notamment pour qu'il soit plus en sécurité dans certains contextes qui présentement ne sont pas vraiment adaptés dans le code là, pour le cycliste. Alors concrètement, qu'est-ce qui a déjà été fait par Vélo Québec pour diminuer les déplacements motorisés en centre-ville, notamment près des écoles, et pour trouver des moyens alternatifs de déplacement? En fait, Vélo Québec, on n'est pas dans l'asphalte et le béton, fort heureusement. Mais donc nous, notre travail est beaucoup plus en termes d'expertise conseil, notamment auprès des municipalités qui veulent développer des réseaux cyclables plus conviviaux, avec une meilleure connectivité. Donc on va faire des recommandations, on peut offrir le service à la ville, on va faire des recommandations, des études, etc. Donc ça, c'est un volet. Et l'autre volet est vraiment beaucoup. Ben, en fait, il y a peut-être trois volets. Il y a un deuxième volet qui est beaucoup dans donner des événements qui donnent le goût aux gens de eux-mêmes, faire des revendications auprès de leurs élus. Donc, quand on organise le Tour de l'île, le Tour la nuit, et qu'on a des dizaines de milliers de gens qui prennent la rue à vélo, et c'est certain que ces gens-là deviennent ensuite des gens qui ont envie de pouvoir le faire de façon quotidienne et qui vont à leur tour aussi porter des messages. Et dans un troisième temps, en fait, bon, c'est tout ce qui est de la sensibilité directe auprès des gouvernements, des mémoires, des participations à des études, des groupes de pression et autres. Donc, et aussi de chaque citoyen, autant le travailleur que le parent, parce qu'on a aussi une campagne qui s'appelle l'opération Vélo-Boulot, où là, on va travailler plus au niveau du travailleur et de l'employeur pour faire en sorte que l'employeur mette en place aussi des infrastructures. Pas nécessairement des infrastructures, mais des équipements qui font que la personne qui arrive à vélo au travail le matin se sente confortable, puisse avoir un endroit où se changer, laisser ses vêtements humides, prendre une douche s'il le faut pour pouvoir aller travailler ensuite et faire sa journée avec un grand sourire, parce que quand on commence notre journée avec de l'exercice, on est toujours plus dynamique. Alors, depuis quelque temps, la tendance était pour les villes de favoriser notamment le déplacement en vélo. On a une augmentation du nombre de pistes cyclables, du nombre de kilomètres, mais aussi le bixi. Oui, tout à fait. Le bixi est en danger. C'est un multiplicateur super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui osaient peu, avaient peut-être peur, n'étaient pas prêts à faire le virage, aller s'acheter un vélo et de considérer utiliser le vélo comme un mode de transport. Mais avec le Bixi, ça a permis à toute une
panoplie de gens, de peut-être un peu plus frileux initialement, de tenter l'expérience et de voir comment ça pouvait s'intégrer de façon facile dans leur quotidien. Et d'autant plus qu'ils ont l'opportunité de, si au retour il fait moins beau, ben, de décider de revenir en transport en commun parce qu'ils n'ont pas leur vélo à eux, donc ils ne sont pas obligés de faire l'aller-retour. Il y a même des gens qui possèdent un vélo qui préfèrent quand même la semaine faire leur déplacement à vélo avec le Bixi, justement pour la flexibilité que ça leur permet de pouvoir rester en ville plus tard le soir, participer au festival, etc., et ne pas avoir à se préoccuper de revenir à la maison tard le soir avec leur propre vélo. Alors, on le sait, le Bixi est en danger. C'était peut-être sa dernière année. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, que le vélo, ce soit une espèce de mode dans laquelle les municipalités ont investi et puis la mode passe? On se rend compte que, finalement, ce n'est pas si rentable que ça. Alors, on arrête? En fait, je pense que ce n'est pas une question de rentabilité. C'est une question de santé publique. Puis, la réalité, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sédentaires. On a de moins en moins d'opportunités de façon naturelle de bouger. Donc, il faut créer ces situations-là. Et c'est pas pour tout le monde d'aller au gym le soir après la journée de travail. Donc, d'intégrer le transport actif, c'est une façon aussi de répondre à une problématique de santé publique qui est fort importante. Et je pense que autant les municipalités que les gouvernements provinciaux sont préoccupés par ce problème de santé qui coûte de plus en plus cher à la population québécoise. Donc, non, je ne crois pas du tout que c'est une mode. Je pense que c'est quelque chose qui est là pour durer et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Vous n'avez pas peur que la ville sacrifie le Bixi pour des raisons économiques? Ben, écoutez, nous, on a fort espoir que ça donne aussi tout un côté à la ville. Bon, M. Coderre est fort heureux en ce moment du fait qu'on recommence à avoir nos petites fourgonnettes de nourriture sur les rues de Montréal. J'ai lu dans le journal aujourd'hui qu'il aimerait qu'il y en ait plus. Donc, tout ce côté de touristique aussi, la couleur de Montréal. Bixi, c'est la couleur de Montréal aussi. Ça fait partie de la personnalité de Montréal. Donc, je pense pas que c'est juste un enjeu économique. Et si on regarde, par exemple, le transport en commun, c'est pas rentable. C'est subventionné parce que c'est une nécessité dans une ville et c'est un besoin et ça rend un service public. Et je pense que le Bixi fait partie de cette offre de transport public qui, en soi, n'a pas nécessairement comme finalité d'être quelque chose qui est rentable ou qui génère des profits pour la ville. Alors, vous parliez de la signature touristique de la ville, justement. Est-ce que vous trouvez que les déplacements touristiques actifs, la randonnée en vélo, la visite en ville en vélo, sont assez développés ici à Montréal, finalement? Écoutez, je serais mal placée pour vous répondre là-dessus. Je sais qu'il y a une offre de services de différents organismes. Est-ce qu'il y a de la place pour en faire plus? Probablement. Il y a peut-être aussi, avec la venue de Bixi, donc toute la problématique de la location du vélo est peut-être moins présente. Toutefois, bon, Bixi, c'est structuré pour des déplacements relativement courts. C'est pas vraiment l'outil, c'est pas le vélo qu'on peut utiliser pour faire une balade de 3 ou 4 heures dans la ville pour visiter. Donc, il y aura toujours place à d'autres développements là, d'offres en ce sens-là. Mais je pense qu'il y a quand même Montréal est aussi beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je suis sûre que s'il y a un besoin plus grand qui se fait sentir, il y aura certainement quelqu'un pour répondre à la demande. Alors peut-être qu'avant de nous quitter, on pourrait se rappeler les dates de la 6e édition. Oui, alors La Roue pour tous, c'est une campagne qui se déroule tout au long du mois de mai, mais bien entendu, avec nos vignettes qui vont continuer à circuler pendant toute l'année, on encourage les gens à être courtois en tout temps et respecter les plus vulnérables sur la route. J'espère que le message est passé. Je vous remercie beaucoup, Annick Saint-Denis, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça me fait plaisir, au revoir. Au revoir. Donc, Annick Saint-Denis, porte-parole de La Rue pour tous. Et on fait une courte pause musicale avec le Saiyan Tsupakrus et Radmaré qui débarquent sur Radio Centre-Ville 102,3 FM. Avec Slide Maria. Ayena Iya, coup de soleil furia, sol para, retia, palpo, sans pipa, vilpa, alléluia, si le Saiyan meurt meilleur, quand Carlos pourra, ou quand y aura un ouragan, n'auront pas d'oura, ou Dipi pourra le flot et la longue comme un boa, boa, rap joue le balboa, athlétique comme Bilbao, et comme Bora Bora, mystique tel David Bowie.
notre vie solo. Rapide comme le vent, rien comme le vent. Je couche les ignorants comme un mal de vent. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les femmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les femmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. C'est le rat de marée, sur le micro ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut tout dans la raison, boy, tu peux te marrer. Mais sur la main que je suis entraîné. Viens chez moi, si tu veux, je te donne des cours particuliers. Boy, 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 déserte dans le son pour le clash. Pas très doué. Plus qu'à tes faux, combien de victimes sont touchées. C'est la combinaison des remèdes, ayant la manie éliminée. À tous les divinités, soit que vos courants ne vont tomber. Écoute l'écho des fleurs, des fanboys enfermés dans une cage. Ils ne peuvent s'échapper. Pas de ne pas réussir. Tous ces actes, il faut les assumer. Un sang de pouce est tombé. Ouais, mais les suivants n'ont qu'à se méfier. Le rat de marée sur le micro ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Sans moi, tu peux te marrer, mais sur la main, tu es entraîné. Viens chez moi, si tu veux, c'est dans des cours particuliers. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les femmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les femmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Sans donc qu'il tout se passe, spectacle débarque, maintenant tout se passe au passé. La bande de bâtards, le dangereux gaillard. Où tient le monde? Non. Je tiens le monde et je brise tout ce qui se rapproche à tout ce qui te sert de vie que je méprise. Hey, toi, cherche pas ton blase dans un tico. Cœur des noms auxquels tu dis go. Rien à rien, ça ne mène à rien. Le nom fait pas le flow. Par Federico, puis tu feras des ricos. Chez Radios, Radios. Un tube à la Roberta et Chico. Un rat qui fait si froid dans le dos. Un sponsorisé par Mico. Tu ricommences ça, tu recommences ça. Parce que t'es bon, mec, t'es nul de hors commence ça. Illico, t'es marre. C'est bien les autres malades imaginaires. Que tu t'es piqué, pitra, pito. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais se moigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. T'es une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais se moigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. T'es une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais se moigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. T'es une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le sagan souffre, un griffe de marée sans jamais se moigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. T'es une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Nathalie Dehan met en lumière pour le magazine une pièce qui passe en ce moment à Montréal de l'anglais David Eyre et dans une traduction de David Lorrain. Alors ça nous raconte l'histoire d'une élection serrée en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale et on suit l'équipe du candidat travailliste. Alors entre tactique et stratégie, c'est une plongée très intéressante dans le monde des élections après celle que le Québec vient de vivre. Je vous propose d'écouter Nathalie Dehan tout de suite. Jusqu'au 9 mai, à la Grande Licorne, on peut voir « L'absence de guerre ». Edith Papineau signe la mise en scène du texte de David Eyre, présenté dans une nouvelle traduction de David Lorrain. Edith Papineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de la compagnie Les Écornifleuses. Oui, c'est ça. Une compagnie exclusivement féminine. Nous venons de Québec, on est 5 filles en fait. Nous sommes regroupées il y a déjà 7 ans et qui travaillons ensemble depuis ce temps-là à monter des spectacles qui se veulent bien ancrés dans l'actualité, qui ont une parole, mais en même temps qui créent des sensations fortes et qui sont proches de l'humain. Alors, l'absence de guerre est un show tout indiqué pour nous. Vous avez à cœur de susciter chez le spectateur une réflexion civique, dites-vous. Oui, une réflexion citoyenne, ben, c'est-à-dire que notre objectif n'est pas du tout pédagogique ni moralisateur, vraiment pas. En fait, c'est simplement qu'on croit que le théâtre est un privilège, mais qu'on a aussi des devoirs à monter sur scène comme ça et qu'on a envie de parler de ce que les gens ont besoin d'entendre ou de ce qui les concerne vraiment de près. Et notre vie collective en fait partie. Ce qui fait que nos spectacles ne sont pas toujours aussi politiques, vraiment pas, mais à chaque fois, il y a vraiment un souci de parler de ce qui nous concerne dans l'actualité présentement. Donc, de s'ancrer là-dedans et de donner des éléments, des outils de réflexion pour les gens qui sont curieux, en fait. Mm-hmm.
j'ai envie de dire vaste pour ne pas dire titanesque projet. Oui, c'est un gros projet pour une toute petite, une jeune compagnie, pour une compagnie de la relève. En tout cas, c'était très ambitieux, ça l'est encore. Mais le show nécessitait ça, selon nous. Alors, on a 13 comédiens sur scène. On parle de plus de 2 heures de spectacle? Oui, c'est un bon 2h30, quelque chose comme ça. Mais en toute honnêteté, ça passe très rapidement parce que les comédiens sont extraordinaires et surtout le rythme du spectacle est frénétique. On est en pleine course électorale, en fait. On suit le Parti travailliste en Angleterre qui est le parti de l'opposition officielle au moment où les élections sont déclenchées. Et on est à l'intérieur de la garde rapprochée du leader, en fait, des gens qui réfléchissent la stratégie avec lui, qui pensent à l'image, qui écrivent ses discours. Donc, on est à l'intérieur du parti et on est en course électorale avec eux, ce qui fait que c'est une période extrêmement excitante, pleine de pièges et en même temps de grande joie. Et alors, ça passe très rapidement. C'est une pièce que vous aviez déjà montée en 2011 et la pièce vous avait valu une flopée de prix, dont le prix de la QCT, section Québec. Là, si j'ai bien compris, vous êtes revenu avec une nouvelle traduction. En fait, c'est le même spectacle que la première mouture, dans l'esprit, dans l'idée de ça. Mais on avait joué à partir d'une traduction française parce que les délais étaient courts. Puis c'est un texte assez généreux en mots, disons. Alors, fallait prendre le temps de le faire. Et en le jouant, on s'est rendu compte qu'on avait envie de se rapprocher de nous, d'être encore plus proche des spectateurs, parce que reste que le français international, qui est le français qu'on parle dans ces cas-là, est une langue que personne ne parle, les Québécois non plus. Alors, on avait envie de faire retraduire le texte dans notre langue pour être le plus près possible des personnages. Ce qui fait qu'on a demandé à David Lorrain, qui est un traducteur montréalais de grand talent, de reprendre le texte, de nous mettre nos mots là-dessus. Et ça donne un résultat extraordinaire. On est très contents. Est-ce que c'est le climat politique qui vous a donné envie de représenter le spectacle? Ben en fait, évidemment, c'était prévu avant ce qui se passe, avant nos propres élections. Je me suis dit, cette course électorale-là que nous, on vient de vivre ici, tombe bien. C'est difficile à dire. Ça a été une course semée d'embûches et avec beaucoup de sensationnalisme. En tout cas, une course certainement qui nous fait réfléchir puis qui nous fait nous poser des questions comme citoyens et qui, pour certains, nous attriste, nous rend amère ou nous fait nous demander qu'est-ce qu'il y en est de cette démocratie-là dont on fait partie et qui a plein de belles choses, mais la machine démocratique, disons, est devenue très rigide et le show tombe très bien dans ce cas-là parce que c'est exactement de ça dont il est question. C'est que nous, comme citoyens, à l'extérieur d'une course électorale, on voit le résultat, on voit après qu'il y a eu tous les filtres imposés par les médias, par la ligne de parti. On a l'impression d'avoir accès à des leaders qui sont édulcorés d'une certaine façon et qui sont très peu passionnants. Mais c'est fascinant de voir, et c'est ce que la pièce nous présente, d'être à l'intérieur du parti et de voir à quel point ces frustrations-là que nous, on vit comme citoyens, comme électeurs, à l'intérieur des partis, elles existent aussi parce qu'ils sont contraints par... ils peuvent pas parler avec passion, ils peuvent pas parler avec transparence, sont limités par la ligne de parti, justement, par le contrôle de l'image. Puis en même temps, à l'intérieur, il y a aussi des gens qui veulent le pouvoir, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des petits conflits internes, des guéguerres, des choses comme ça. Et il y a aussi... ils doivent confronter les médias. Parce qu'on parle beaucoup de stratégie dans cette pièce et ça nous ramène de façon très intéressante à la dernière campagne électorale que nous venons de vivre. Oui, absolument, parce qu'en fait, on a bien vu à l'intérieur du parti que, l'arrivée de Pierre Campilado, puis ensuite l'utilisation de Jeannette Bertrand, par exemple, mais aussi les stratégies du Parti libéral de parler de référendum, tandis que le PQ n'en parle pas vraiment, c'est des stratégies qui servent à obtenir le pouvoir. Mais ce qui est malencontreux, c'est que pendant ce temps-là, on parle pas d'idées, on parle pas de ce dont... on parle pas de projet, on parle pas de rêve. C'est ça que les citoyens auraient envie d'entendre en même temps, peut-être pas, parce qu'on est d'accord, les citoyens sont électeurs, nous sommes responsables de
de la politique qu'on a ici, parce que chacun d'entre nous, on a un vote, on fait partie de cette machine-là. Fait qu'il y a quelque chose dans le spectacle, ce qui est très intéressant, c'est que oui, il est question de stratégie, mais c'est pas tant qu'on nous élabore ce qu'est la stratégie, on nous parle beaucoup des humains qui sont à l'intérieur de ça et qui la vivent et qui la conçoivent et qui sont contraintes par elle, mais aussi qui y croient et qui des fois y croient moins, qui se battent contre elle, qui tentent d'en trouver des nouvelles pour arriver à leur fin, pour obtenir ce fameux pouvoir-là qui est l'objectif ultime, parce qu'au bout de ça, quand on s'investit en politique, c'est un engagement immense, c'est un mode de vie, c'est une vocation, ce qui fait que pour les certaines personnes, en tout cas certainement les leaders de parti, une course électorale là comme ça peut être la consécration ou une mort politique. Ce qui fait que le show, jusqu'à un certain point, est une tragédie contemporaine, bien qu'il y a plein d'éléments où on a du plaisir. Là, on n'est pas dans le drame perpétuel, mais cette frénésie-là, cette importance-là, cette urgence-là qu'ont les choses pour eux, ça nous amène aussi dans un rythme presque tragique. Edith, vous voulez nous expliquer, en terminant, le titre de la pièce, « L'absence de guerre » ? C'est bien expliqué dans la pièce à un moment donné. En fait, il dit que le personnage qui joue le leader du Parti travailliste dit que jusqu'à un certain point, il aime la guerre parce que dans ce cas-là, tout le monde se solidarise, tout le monde travaille ensemble et se serre les coudes. Ce qui fait que dans ce contexte-ci, où on n'est pas en guerre à l'international, ça fait en sorte qu'à l'intérieur du parti, les rangs sont pas serrés et qu'il y a des guerres à l'interne comme il n'y en a pas à l'externe. C'est pour ça. Edith Patnaud, merci beaucoup. Plaisir. L'absence de guerre est présentée à la Grande Licorne jusqu'au 9 mai. Et c'était donc Nathalie Dehan pour le magazine du lundi pour nous présenter l'absence de guerre qui sera présentée jusqu'au 9 mai prochain. Et tout de suite, on fait une petite pause en musique avec Sex Shop de Serge Gainsbourg. Qui devrait arriver normalement sous peu. Et juste après, on retrouvera la chronique musicale des L'Aiguillon, comme d'habitude. Et la chronique de Rosanna Brudzon. Mais juste avant, on va faire une petite pause en musique quand même, avec autre chose, me dit-on, mais on sait pas encore quoi. Ce sera donc Ennio Morricone. À tout de suite.
On vient d'écouter Ludovico Einaudi et c'est maintenant l'heure de partir avec Élie Guyon pour sa chronique musicale. Et bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien dans vos chroniques musicales francophones. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous la sortie très récente d'un album d'un chanteur français du nom de Renan Luce. C'est un auteur, compositeur et interprète qui est né à Paris au début des années 80 et qui est en fait originaire d'une petite ville de Bretagne qui s'appelle Morlaix. C'est tout à l'ouest, hein, dans la pointe ouest française. Alors il a une formation assez classique, il a appris le piano, hein, le piano classique même, déjà dès tout petit, et il a poursuivi son apprentissage dans un conservatoire dans la ville de Brest. Il a d'ailleurs après joué du saxophone et également de la guitare en tant qu'autodidacte. Son début de carrière a commencé dans les bars et dans les festivals de France, parallèlement à son parcours universitaire qui lui était plutôt centré sur le commerce. Après 3-4 années d'études poussées, il décide finalement de s'installer à Paris et de se lancer totalement dans la chanson et dans la création de spectacles. Et c'est très rapidement qu'il va rencontrer un éditeur-producteur vers 2004-2005. Et il va tout d'abord se présenter dans plusieurs festivals, les Franco de La Rochelle. Il va chanter également au Zénith de Paris. Et grâce à ces festivals et grâce à plusieurs rencontres avec des artistes croisés dans ces différents festivals, il va sortir son premier album qui s'appelait Repenti en 2006, un très bel album dont je vous propose un extrait tout de suite, Renan Luce. Des spaghettis, de la sauce tomate dans la banlieue nord de Dijon. J'ai choisi la voie diplomate qui m'a évité la prison. Ça fait 20 ans que je me cache et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin. Repenti, j'ai trahi. Casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Tous les soirs on remplit mon verre et on rigole, on me salit quand je raconte les tours de verre, ma vie à Little Italy. Jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux points. Dans les premiers mois. Et tout de suite, c'est la chronique de Rosanna Bretonne. Bonjour Rosanna, et bonjour. On est très content que tu sois avec nous. Moi aussi, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour les minutes optimistes, on parle de quelque chose de spécial. Alors, à propos du pouvoir de l'humour, je suis un peu fatiguée dernièrement. Et une amie que j'ai connue grâce à un atelier d'écriture optimiste, vendredi soir m'a envoyé un message. Elle a écrit « Même les optimistes ont besoin de se reposer des fois ». Là, j'ai commencé à dormir en souriant et j'ai dormi pendant 12 heures. Alors, j'étais vraiment fatiguée quand même. Et j'étais assoyée dans le métro. Une dame âgée est entrée et je lui ai donné ma place. Je voyais qu'elle était toujours en train de sourire d'une façon très, très sympathique. Elle semblait vouloir me dire quelque chose. Et quand j'étais en train de sortir, elle m'a demandé de me rapprocher. Puis, elle a chuchoté dans mon oreille. Tous les anges ne sont pas au ciel. Et l'arbre proche de ma maison commence à verdir. Je n'ai jamais regardé un arbre avec une émotion aussi intense. J'étais dans une résidence pour personnes âgées. Je venais de donner mon atelier de conversation optimiste.
À la fin, une dame m'a embrassée et m'a dit que je vous aime, sans vous connaître. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais donner ma page Facebook Angeli Quotidiani Everyday Angels. Et donc, oui, on a dit qu'on les plaît. Donc, A-N-G-E-L-I, oui. Espace, Q-U-O-T-I-D-I-A-N-I. Et merci beaucoup, Rosanna. Merci à la semaine vous. Prochaine, c'était très bien. Merci. On est tout optimiste maintenant. Merci beaucoup. Et quant à nous, voilà, notre réunion ensemble touche à sa fin. Je vous dis à lundi prochain. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter l'émission sur radiocentreville.com, rubrique podcast. Et vous pouvez aussi la télécharger. Et Tom, c'était notre dernière ensemble, c'était cool. Oui, c'est vrai, c'était très sympa. Merci beaucoup, Romain. Et dès lundi prochain, vous retrouvez Caroline Landry à la place de Tom. On était très heureux d'être avec vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine, même heure, sur le 102.3 sur Radio Centre-Ville. Passez une très belle semaine. Bye. Bonjour. Aujourd'hui encore, trop de membres de notre communauté sont touchés par le VIH-Sida. Savez-vous qu'une personne sur trois ne sait pas qu'elle est atteinte? À une époque où les traitements sont très efficaces et où il est possible de vivre en santé pendant longtemps, savoir si l'on est atteint est essentiel. Le dépistage est offert dans plus de 140 centres et organismes communautaires au Québec. C'est gratuit, confidentiel et cela ne prend que quelques instants. Rendez-vous sur sefairedépister.ca pour trouver le centre le plus proche de chez vous. Un foyer de découverte musicale et multiculturelle, une formidable scène d'expérimentation pour les créatrices et les créateurs, nous collaborons avec de nombreux organismes, des festivals et des manifestations publiques pour faire connaître les réalisations et les créations des Montréalaises et des Montréalais. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent. Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 9 et 10 mai, visitez le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins, au Palais des Congrès. Découvrez les services offerts en matière d'emploi, de vie en région, d'entrepreneuriat et autres services adaptés à vos besoins. Plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des Congrès de Montréal. Entrée gratuite. www.salonimmigration.com. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent.